Claudia, je suis en possession d'une des clés de Masyaf. Mieux encore, j'ai découvert une carte couverte de signes et de mystérieux symboles qui devraient me conduire jusqu'aux autres clés. La signification de ces symboles m'est encore inconnue, mais la chance a mis sur ma route une Vénitienne qui va m'aider à les déchiffrer. Je ne dois pourtant pas crier victoire trop vite. Les Templiers détiennent toujours une clé, et pour la récupérer, je vais avoir besoin de toute l'aide que les assassins pourront m'offrir. Si seulement j'avais un allié chez les Ottomans, je pourrais enfin décrypter les mystères de cette ville. Quelle bonne surprise, Ezio. Je te raconterai ce qui s'est passé si je ne meurs pas demain. Cela risque-t-il d'arriver ? On raconte que les Byzantins projettent d'infiltrer le palais de Topkapi, maintenant que le prince Suleyman est rentré de son pèlerinage. Et si cela est vrai, ils vont profiter de l'exposition culturelle que le prince organise ce soir. Quel est notre plan ? Kardeşim, ce combat n'est pas le tien. Intervenir dans les affaires des Ottomans ne t'avance à rien. Les Byzantins ont trouvé une clé sous le palais de Topkapi. Je voudrais savoir comment. Ezio, nous voulons protéger notre prince. Et non l'interroger. Aie confiance, Youssouf. Et dis-moi juste où aller. Aux portes du palais. Nous allons nous déguiser en musiciens. Et nous y faufiler. Dans ce cas, je trouverai un déguisement et je t'y rejoindrai. Italien, je sens que ça va me plaire. Puisse la force favoriser notre héros. Cet homme illustre protège les pauvres contre les puissants. Oh.
La fortune favorisée, notre héros puisse la fortune favorisée. J'ai l'air ridicule. Je me sens ridicule. Ma lame est trop visible avec ce déguisement. Es-tu armé ? Pas d'inquiétude. Désigne les cibles et nous les éliminerons. Est-ce que tu sais comment jouer ? J'ai appris quelques accords quand j'étais jeune. As-tu vraiment été jeune un jour ? Ô Constantinople, ô Byzance, faites que la colombe recoue. Cette cour est interdite au public. Faites immédiatement demi-tour. Perdonate, buon signore. On nous a engagés pour animer la fête. N'importe quel Gerzek peut se promener avec un instrument. Fichez le camp. Cesare, ô Cesare, tu te crois à l'abri. On dirait un chat qu'on égorge. Mais prends garde où tu mets les pieds, tu risques de que tomber bien bas. Berbatze. Je chante les beautés de Firenze qui de l'amour nous donnent plus. À quoi vous jouez ? Romaines, ils vous donneront le mal de Vénus. Bon, allez, avant de entrez, allez pape, infliger ce bruit aux invités. Rodrigo n'avait que des défauts derrière les murs du Vatican. Il ourdissait bien des complots. Mon passage à Forlì, je suis allé dans son logis. Il est doux de parler à faire, quand l'affaire se fait dans son lit. Je chante en italiano, vous ne comprenez pas un mot. Mais je ne parle ni grec ni turc. La dame de fer de la Romagne, poigne d'acier grande, pourrait de mort réveiller les appétits de l'amour. On raconte ici et là que les chansons des ménestrels mettent en fureur les demoiselles, pauvre de moi qui fais fuir les pucelles. Areca! Il était une fois un certain Duccio, sacré coureur de jupons. Chaque fois que nous nous croisions, mon poing rencontrait son bouton. La farouche Lucrezia. Cette cour est déserte. Et je ne vois pas le prince Suleiman. Suis-moi. Vieri, oh Vieri, était aussi fou que son vieux père. En récompense, il connut une fin en tout point similaire. Habillé comme un bouffon, je deviens un comédien. Je joue le rôle des importuns que j'écartais jadis de la main. Je chante les joies des bambins, la beauté des demoiselles.
Je chante même la gloire des hommes tant qu'ils tiennent sur leurs ailes. Oyez le piètre ménestrel, oyez le piètre poète. Si ma chanson vous interpelle, frappez-moi sur la tête. Pour sauver le monde, j'ai relevé tous les défis. J'ai dû apprendre à jouer du luth et à faire rimer ma poésie. Le doge de Venise, funeste et maléfique personnage, quand il vit ses plans contrariés, fulmina rouge de rage. Si l'âme ne comprend ma douleur, la vie de misère du poète, que seuls achèveront les trois sœurs, ces malicieuses vieilles chouettes. Cesare racontait bien volontiers que personne ne pouvait le terrasser. Alors dans le vide, je l'ai poussé pour voir s'il savait voler. Je perds ici mon temps et pousse la chansonnette devant des imbéciles heureux qui ne comprennent rien à ces sornettes. Pour juger l'ardeur d'une dame, restez donc sa compagnie. Vous verrez si elle est trop sage ou digne de finir dans mon lit. Ô Constantinople, ô Byzance, faites que la colombe recoule. La discorde éloigne la paix et il ne faut pas maîtriser ton bout. Je chante en italiano, vous ne comprenez pas un mot. Mais je ne parle ni grec ni turc, loin s'en faut. Je chante les joies des bambins, la beauté des demoiselles. Je chante même la gloire des hommes tant qu'ils tiennent sur leurs selles. Le doge de Venise, funeste et maléfique personnage, quand il vit ses plans contrariés, fulmina rouge de rage. Habillé comme un bouffon, je deviens un comédien, je joue le rôle des importuns que j'écartais jadis de la main. On raconte ici et là que les chansons des ménestrels mettent en fureur les demoiselles. Pauvre de moi qui fais fuir les pucelles. Pour sauver le monde, j'ai relevé tous les défis. J'ai dû apprendre à jouer du luth. Ah voilà qui est plus joyeux. Suleiman, petit-fils du sultan, gouverneur de Kefé. Il n'a que 17 ans. Je l'ai rencontré sur le bateau. Il m'a dit qu'il était étudiant. Et lui, qui est-ce? Son oncle, le prince Ahmet, fils préféré du sultan. Il est obsédé par l'idée de lui succéder sur le trône. Chérefe, Salaniza. Viens, nous avons d'autres Byzantins à trouver. Oyez le piètre ménestrel, oyez le piètre poète. Merci. Si ma chanson vous interpelle, frappez-moi sur la tête. Jugez l'ardeur d'une dame, c'est dans sa compagnie. Vous verrez si elle est trop sage, digne de finir dans mon lit. Ailleurs, les mecs, j'espère que la fête est Duccio, sacré coureur de jupons. Chaque fois que nous nous croisions, mon poing rencontrait son menton. Cesare racontait bien volontiers que personne ne pouvait le terrasser. Alors dans le vide, je l'ai poussé pour voir si ça avait volé. Shahane! Bravo! Oh, bravo! Oh, bravo! L'âme ne comprend pas. Devons nous voir bientôt. Douleur.
La vie de misère du poète. Que seuls achèveront les traceurs. Merci d'être présent. Malicieuse vieille chouette. Ailleurs, Césaré, oh Césaré, j'espère que la fête est à votre goût. Tu crois l'abri du trépas. Mais prends garde où tu mets les pieds. Tu risques de tomber. Java. Attention, ça a l'air lourd. Je chante les beautés de Firenze qui de l'amour nous donnent plus. Et méfiez-vous des Romaines qui vous donneront le mal de Vénus. Je perds ici mon temps et pousse la chansonnette devant des imbéciles heureux qui ne comprennent rien à ces sonnettes. Avant de devenir pape, Rodrigo n'avait que des défauts. Derrière les murs du Vatican, il fournissait bien des complots. Un assassin, évacuez la cour. Prince Suleiman, prenez garde. Suivez-les. Action. Quel soulagement de vous revoir, mio bel menestrello. Cela se prononce-t-il ainsi? Presque. Vous êtes aussi gouverneur. M'avez-vous caché autre chose? Je ne parle pas aux étrangers. Je m'appelle Suleiman. Ezio Auditore. Chez Adam, êtes-vous blessé? Qui est ton capitaine, soldat? Tariq Barletti. Il est parti en mission. Emporte ce cadavre et renvoie les invités. Puis convoque Tariq au divan. Bashustum, Shazadem. Tariq Barletti est un capitaine du corps des janissaires, les soldats d'élite du sultan. Il protège le sultan, mais pas sa famille. Il a clairement des lacunes. Ezio, auriez-vous du temps à m'accorder? Je voudrais solliciter votre avis. Bien sûr, dès que j'aurai changé de tenue. Bien. Venez me voir quand vous serez prêt. J'aurais du mal à expliquer ce qui se passe. Ne restez pas là! Que Dieu nous protège! Géant. Un assassin! Mon Dieu, il est là! Ma parole, je vais m'enlever. En volant les morts, c'est Dieu que vous offensez. Honte à vous! J'ai organisé un entretien avec mon oncle Ahmet et le capitaine des janissaires, Tariq Barletti. Les janissaires restent fidèles à mon grand-père, mais ils s'opposent ouvertement à son successeur. Votre oncle? Précisément. Les janissaires préfèrent mon père, Selim. Votre situation est complexe. Mais quel rôle jouent les Byzantins là-dedans? J'espérais que vous le sachiez. Seriez-vous prêt à m'aider à le découvrir? Je suis déjà sur leur piste. Vous aurez mon aide tant que nous poursuivrons le même but. Toute aide sera la bienvenue. Il y a une trappe au sommet de cette tour. Elle conduit à une salle secrète. Allez-y. Attendez.
et observez. Ça me manque de ne plus naviguer. Je veux bien ici, mais ta mère me manque. Bon sang ! Il a du talent ! On va embarquer avec le prochain marchand. Malédiction ! Il va s'enfuir ! Non. Non, je ne peux pas le croire. Il a dit qu'il fallait traiter directement avec lui. C'est terrible. Je hais cet homme. Je n'ai plus qu'à aller me pendre. Non, non, leur prosciutto est bon. Je ne sais pas qui est leur fournisseur, mais je te assure. Il est plutôt bizarre. C'est le vrai. Non, non, je ne peux pas le croire. Il a dit qu'il fallait traiter directement avec lui. C'est terrible. Je hais. Mon neveu a raison, Tariq. Ton incompétence frise la trahison. Mais que dire de tes janissaires, qui ont été surpassés par un joueur de lutte italien ? C'est grotesque. Un intolérable fiasco, Effendim. Je vais personnellement mener l'enquête. C'est moi qui conduirai l'enquête, Tariq. Pour des raisons plus qu'évidentes. Evet, Shehzadem. Tu as la sagesse de ton père. Et son impatience. Je me réjouis de te voir sain et sauf, mon oncle. Moi aussi, Suleiman. Que Dieu soit toujours à tes côtés. Tariq Bey, viens ici. Quel était le but précis de cette attaque ? Me faire passer pour un faible ? Incapable de protéger cette ville ? Si tu es impliqué dans cette histoire, Tariq, tu as commis une grave erreur. C'est moi que mon père a choisi pour lui succéder, pas mon frère. Ahmed. Je ne suis pas assez corrompu pour imaginer le complot dont tu m'accuses. Qu'ai-je donc fait pour mériter tant de mépris de la part des janissaires ? Qu'est-ce que mon frère a fait de mieux que moi ? Puis-je parler librement ? Je te le conseille. Tu es faible, Ahmed. Tu réfléchis en temps de guerre et tu agis en temps de paix. Tu ne tiens pas compte des traditions des Ghazis et tu prêches la fraternité en compagnie d'infidèles. Tu ferais bien un adroit philosophe, Ahmed. Mais tu ne seras pas un bon sultan. Je pense que tu en as assez dit. Quelle famille, hein ? Votre oncle manque cruellement d'autorité pour un futur sultan. Tariq est un homme intègre, brave et capable, mais ambitieux. Il a beaucoup d'admiration pour mon père. Mais il n'a pas su défendre ce palais contre une invasion byzantine. Cela justifie qu'on s'intéresse à lui. Précisément. Par où devrions-nous commencer ? Pour le moment, surveillez Tariq et ses janissaires. Ils passent presque tout leur temps aux alentours du bazar. Je m'y rendrai dès que j'en aurai l'occasion.
Quel homme excentrique. Miyakara, la roue de fortune nous a réunis. Deux Italiani, seuls et perdus en Orient. Ne ressentez-vous pas ce magnétisme? Je ressens bien des choses, Messere. De la nausée en particulier. Cet homme vous importune, Sophia. Pardonnez-moi, Messere, mais je disais à cette dame... Ah! Il diavolo, une personne! N'approchez pas! Duccio, comment on se retrouve? Fuyez, Bonadonna! Sauvez-vous! Qui était-ce? Un cane. Il était fiancé à ma sœur il y a bien longtemps. Et que s'est-il passé? Son cazzo était déjà fiancé ailleurs. Chiedovenia, que venez-vous faire à cet endroit? J'ai interrompu mon travail pour récupérer un colis. Mais ils disent que les papiers ne sont pas en règle. Donc j'attends. Que c'est Katura. Tout cela peut durer des heures. Laissez-moi vous aider. Il y a des règles que j'ai appris à contourner. Vraiment? Si. Je vous retrouverai à la boutique.
Sophia Sartor. Perfetto. Bonjour, Ezio. Alors? Madame Igella Sofia Sartor Libraia, Constantinopoli. Oh non, il est endommagé. Comment l'ont-ils mis dans un état pareil? Bien, elle a l'air intacte. Oh, magnifique. C'est une copie d'une carte de Martin Waldseemüller. Vous voyez? Les nouveaux territoires décrits par Messer Amerigo Vespucci. Pauvre Cristoforo Colombo. L'histoire s'écrit d'une étrange manière. Et que dites-vous de cette immense étendue d'eau ici? Un nouvel océan, peut-être. La plupart des érudits que je connais pensent que la taille du globe est sous-estimée. Incredibile. Plus nous en apprenons sur le monde, moins nous le comprenons. Bien. Vous avez tenu parole. À moi d'honorer ma promesse. Si nous avons vu juste, ceci vous indiquera l'emplacement du premier livre. Je vous avoue que je rêve du jour où je verrai enfin ces livres. Toute cette sagesse que le monde a perdue, nous devons la lui restituer. Je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler. Une petite cinquantaine, ça devrait suffire. Perché ridi? Pardonnez-moi. Votre passion est si noble et originale qu'elle m'emplit de joie. C'est même exaltant. Grand Dieu, que répondra cela? Grazie, Sofia. Je reviendrai. Thank you.
Impressionnant, mais... surtout très imprudent. Oh. Huh?
mort. Sürüyorum, sürüyorum. Mutfak serpet açtı. O tarlayı almak bir hataydı.
Parlez ! De belles récompenses seront offertes à tout détenteur d'informations sur les activités de la confrérie des assassins. Constantinople vit dans la famille. Quelle adresse ! Ah ! Bienvenue chez Mentor. Toi, Mentor. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et ramener la paix? Jamais. Pardonne-moi, Mentor, mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, elle s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meures. C'est vraiment fini? Ce sorcier est-il mort? Ce n'était pas un sorcier, c'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt? Oui, mais... Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Tu es en état de voyager? J'en suis capable. Oui. Malik est parti colporter la nouvelle de la mort d'Al-Mualim à Jérusalem. Je voudrais que tu en fasses autant à Acre. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel malheur! Comment en est-on arrivé là? Mon esprit était limpide, mais mon corps refusait de bouger. Notre mentor aurait-il causé ce chaos? Je n'arrive pas à y croire. Mais que s'est-il passé ici? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve? Accompagne-moi, Abbas, et je t'expliquerai.
Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous... à Robert de Sablé dans le temple de Salomon. Celui que tu devais récupérer, mais qui le fut par d'autres. Oui. Un instrument des Templiers. La pomme d'Éden. Elle forge des illusions et contrôle les esprits. Une arme redoutable. Alors tu crois qu'Al-Mualim a été ensorcelé? Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir Masyaf. Tu l'as vu de tes propres yeux. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Écoute, Abbas. Elle est en sécurité dans l'office d'Al-Mualim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras toutes tes réponses. Altaïr ! Non ! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois ! Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts ! Mécréant ! Écoutez-moi ! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge ! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas ! Al-Mualim a été ensorcelé ! Oh ! Tu ne peux pas faire payer pour ton erreur ! Père, d'accord, tu as gagné ! Je m'occupe de ton cas ! Je ferai ce que tu veux. Laisse-moi partir. Ne t'approche pas de moi. Ça m'embête. À quoi est-ce que vous jouez? J'ai pas la peine de me tuer. On peut s'arranger. Pourquoi ne pas me laisser partir? Je m'en vais. Libérez-moi. Ça suffit. Pitié. Payez de ta vie. Je suis. N'avais-je pas raison, Altaïr? Abbas ! Non ! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé ? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque ! Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père ! Mon père était un héros ! Il est trop tard pour ressasser le passé ! Nous devons décider quoi faire de cette arme ! Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser ! Personne ne l'est ! Oh, elle est magnifique, en effet. Oh!
mort ? Pardonne-moi. Je ne savais pas. As-tu des choses à nous apprendre ? Ou bien provoqueras-tu notre perte ? Altaïr, tout juste 26 ans, et déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités et un pouvoir sans limite ? J'ai fait la connaissance d'un prince ottoman, nommé Suleyman. C'est un jeune homme intelligent, animé d'une détermination si rare pour son âge. Je vais suivre son conseil et enquêter sur des janissaires qu'il soupçonne de comploter avec les Templiers. Avec un peu de chance, ils me mèneront à leur chef. Pendant ce temps, mon amie vénitienne, Sofia Sartor, continue de m'aider à localiser les clés de Masyaf. C'est une femme appliquée, pleine de passion et d'énergie. Sa compagnie m'enchante. Mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici, ni ma véritable vocation. Ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer.